Notre message, et je sais que le président l'a compris, s'adresse à vous tous, et c'est la raison de notre présence. Notre message est que le judaïsme et le sionisme sont deux entités diamétralement opposées, deux concepts différents. Le judaïsme existe depuis des milliers d'années, alors que le sionisme existe depuis un siècle. Si le judaïsme et le sionisme étaient identiques, nous aurions entendu parler du sionisme depuis plus longtemps qu'il y a un siècle. Pourquoi le judaïsme et le sionisme sont-ils deux concepts opposés? Le judaïsme renvoie une façon de vivre depuis des milliers d'années, avec une éthique, une morale et un esprit de justice. Le sionisme est une idée nationaliste qui existe depuis 100 ans. Il est contraire aux croyances juives. Je ne vais pas trop insister sur ce point parce que c'est un message qui s'adresse aux Juifs eux-mêmes. Selon nos croyances et nos enseignements, les Juifs doivent être en dispersion dans le monde et se comporter loyalement, quel que soit le pays dans lequel ils résident. Attachons-nous maintenant aux aspects du sionisme par rapport au judaïsme et par rapport aux valeurs religieuses du judaïsme humanitaire. Le sionisme est totalement anti-humanitaire. Et pour rester dans le contexte de la conférence ici à Genève, il est totalement opposé au principe de base de l'antiracisme. Par définition, le sionisme est une idéologie raciste, parce qu'il a pour but de s'approprier des terres en déplaçant la population qui y vit pour les donner à un groupe en particulier. Quelle belle preuve de racisme! Le judaïsme prêche la compassion et le respect pour les voisins, le respect de ce qu'ils possèdent, le respect de leur demeure et bien sûr de leur vie. Le sionisme est complètement opposé au judaïsme. Son but est de s'imposer aux populations palestiniennes en les soumettant et en ignorant leur espoir d'autodétermination. Tout ceci a conduit à la violence à laquelle nous assistons depuis un siècle avec la mort des Juifs et des non-Juifs. Le sionisme est une idéologie raciste qui a tort d'un point de vue moral et logique. Il est très difficile de comprendre comment des pays occidentaux comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Europe peuvent appuyer une telle idéologie. Il est évident que cette situation va engendrer des tensions. Le sionisme et Israël sont responsables des tensions au Proche-Orient. J'ai toujours dit qu'il n'y a qu'un seul pas à faire pour que les tensions disparaissent au Moyen-Orient, à condition que ce pas soit fait sincèrement par ceux qui détiennent le pouvoir et qu'ils se disent prêts à s'asseoir et discuter sincèrement d'une solution de paix dans l'État sioniste. Les choses changeront en une nuit. Je vous assure que toute violence s'arrêtera. Il y aura beaucoup à faire pour sortir de cette situation générée par le sionisme et par les pays qui ont appuyé le sionisme. Mais avec la volonté de l'Occident, au lieu de dépenser son argent pour acheter des armes, devrait utiliser cet argent pour aider les Palestiniens à se réorganiser. Plus rien n'empêcherait la Palestine de retrouver la paix. Je prie pour que le régime sioniste soit remplacé par un régime en accord avec les aspirations des Palestiniens. Quelle que soit la forme de ce régime, ce sera aux populations palestiniennes d'en décider. Les Juifs, les Arabes, les chrétiens et les musulmans pourront vivre en paix comme ils l'ont fait pendant des générations. Les sionistes ne représentent pas les Juifs. Ils n'ont pas le droit de représenter les Juifs. L'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. Je prie, comme je l'ai dit précédemment, pour que la paix soit la solution de l'État sioniste, pour qu'elle soit rapidement adoptée et révélée au monde, et que le monde puisse vivre ensemble en paix.